Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de la box Belle au Naturel du mois d'avril. J'ai pris une box 100% personnalisée, donc c'est moi qui ai conceptionné ma box avec les produits que je souhaitais recevoir. J'ai pour vous que des exclusivités, des nouveautés, donc c'est parti pour vous montrer mes 7 produits. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un déodorant de la marque Guérande d'une contenance de 50 ml. Guérande, je vous en ai déjà parlé, j'ai reçu un lait pour le corps qui est très bien, je l'ai encore utilisé ce matin. Donc là, vous avez un déodorant gel crème, dôme applicateur, anti-odeur, anti-humidité. Concernant les conseils d'utilisation, ils vous disent appliquer à l'aide du dôme applicateur directement sur les aisselles. Le matin, sur peau propre et sèche, pénètre rapidement, laisse un fini sec et une sensation de propreté. Je vais vous montrer comment il se présente. Il n'y a pas forcément grande odeur, mais c'est léger. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Donc j'étais contente parce que c'est la première fois que je vois sur le site Belle Eau Naturelle un déodorant. Pour le deuxième produit, on reste dans la même catégorie. C'est un déodorant, mais cette fois-ci pour homme de la marque Pure Eden. Donc c'est aussi la première fois que je vois sur le site Belle au Naturel des produits destinés aux hommes. Il a une contenance de 100 ml. Ils vous mettent que c'est un déodorant pour lui, sans gaz, efficacité 24 heures, protecteur longue durée aux algues boréales. Donc il n'y a pas de conseil d'utilisation, hein, mais vous pchitez sous les bras, c'est un flacon... Au niveau de l'odeur, ça sent pas très fort, ça sent plutôt l'air marin, je trouve, donc ça fait pas agressif. À voir à l'utilisation si mon conjoint aime ce produit. Le troisième produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit visage de la marque Mishki. Donc c'est la première fois que je reçois un produit de cette marque là parce que je crois que justement, comme je vous disais, ça doit être une exclusivité, ça doit être un nouveau partenariat avec cette marque là. Donc c'est un nettoyant visage, il a une contenance de 100 ml, je l'ai testé ce matin. C'est un système de flacon pompe. Je vous donne les conseils d'utilisation de ce produit. Ils vous mettent imbiber un coton avec la lotion nettoyante ou verser directement quelques gouttes dans la paume de la main et masser doucement le visage du bout des doigts d'un mouvement circulaire ascendant pour raffermir la peau. Rincez avec de l'eau et séchez le visage. Après chaque utilisation, bien renfermer le flacon et le protéger de l'excès de chaleur et de lumière. Ils vous disent que c'est à base de pommes de terre natives des Andes péruviennes. Donc je l'ai testé ce matin, donc moi j'ai utilisé sur un coton, donc j'ai fait quelques pchites sur mon coton, je me suis nettoyé le visage, vous pouvez vous nettoyer les yeux avec, et après j'ai rincé avec ma lingette. Et ce que je voulais vous dire, c'était au niveau de l'odeur, et ça sent pas spécialement bon, ça sent pas spécialement mauvais. Comme la plupart, je trouve, des produits bio, les odeurs sont des fois spéciales, sont vraiment nature aussi. D'autres, c'est pas très fort. Donc voilà, il y a des petits produits où bah, on n'arrive pas trop à déterminer l'odeur que ça a. Je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi, vous avez des fois du mal à savoir si ça sent bon, si ça sent mauvais ou si justement il y a des odeurs que vous ne supportez pas. Le quatrième produit que j'ai à vous présenter est une crème visage de la marque Être Femme. Il a une contenance de 50 ml, c'est un flacon pompe. Je ne connais pas cette marque, donc ça sera la première fois que je testerai. J'ai hâte parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment un produit frais. Ils vous mettent que ça convient à tout type de peau, hydratante, régénérante, antioxydante, parfum rose néroli. Ils vous donnent une petite astuce, c'est une crème qui est matifiante et hydratante. Ta crème visage est une excellente base de maquillage. Le cinquième produit que j'ai à vous présenter est un beurre d'abricot de la marque Oleana. Il a une contenance de 50 ml. Il sent extrêmement bon. J'adore l'odeur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il est comme ceci. Et vous ne sentez pas, mais il sent extrêmement bon.
Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser sur différentes parties du corps. Ils vous mettent derrière que vous pouvez l'utiliser sur votre visage pour lui donner une mine lumineuse et une protection naturelle. Donc moi je l'ai utilisé sur mes lèvres pour les hydrater, mais vous pouvez bien sûr utiliser sur vos mains, sur le corps. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup et j'ai eu de la chance parce qu'il n'en restait plus qu'un sur l'e-shop. Donc je voulais absolument tester ce produit. Le sixième produit est un savon de la marque Emmanuel. Je ne connais pas cette marque. Il est au karité. Ils vous mettent que c'est une savonnette de toilette végétale. Il pèse 100 grammes. Donc un savon, c'est toujours pratique à avoir. Donc à voir si j'utilise pour le corps ou pour les mains. Le dernier produit que j'ai à vous présenter est un shampoing de la marque Biofitum et je pense de la gamme Epurevia. C'est un shampoing de 150 ml. Il est aux extraits d'amla et d'aloe vera, shampoing naturel moussant. Au niveau des conseils d'utilisation, ils vous mettent mouiller les cheveux abondamment, masser le cuir chevelu en douceur, faire mousser et rincer abondamment. J'ai terminé de vous présenter les produits de la box Belle au naturel du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je fais des concours avec Belle au naturel pour gagner une box. Je vous mets ici mon code de parrainage qui vous permet de bénéficier de 80 € d'achat sur l'e-shop de Belle au naturel. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!